toujours dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Le Seigneur nous fait la grâce de vivre l'expérience des délivrances et des miracles comme au temps des apôtres. Les malades guérissent, les morts ressuscitent, l'évangile est proclamé, les âmes sont sauvées et les délivrances sont authentiques. Le pasteur Ménier Boniface, orateur principal de cette croisade, nous a fait comprendre pour la session du jour qu'une personne infidèle est une personne qui aime le péché et qu'une personne faible est l'état d'une personne qui pratique la justice mais qui connaît quelques difficultés dans la marche chrétienne. Le verset d'appui était Romains 8, le verset 26 à 39. Écoutons ensemble quelques réactions. Ce que je retiens aujourd'hui dans cet enseignement, c'est que le pasteur Ménier a prêché sur ce que j'ai retenu, il y a la faiblesse au niveau de l'Église et puis il y a l'infidèle. L'infidèle, c'est quelqu'un qui vit dans le péché de façon consciente et ça, c'est un infidèle. Et le faible, c'est quelqu'un qui a cru, qui a renoncé à son péché de façon radicale et il veut plaire au Seigneur. Par exemple, il n'a pas les forces pour prier. Soit, par exemple, il ne sait pas dans quelle direction diriger la prière. Et en ce moment, c'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc cette personne. L'Esprit le dirige à élever les sujets de prière. Et voici ce que je peux dire à propos de l'enseignement que j'ai retenu aujourd'hui. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, la dernière prière que le pasteur vient de faire concernant la pauvreté. Voilà, donc les deux minutes qu'il a fait, vraiment ça m'a tellement marqué. Donc j'ai senti quelque chose en moi. Donc vraiment ça m'a tellement touché beaucoup. Et j'ai eu la paix du cœur, j'ai eu la joie du cœur pour cette dernière prière. Donc soyez bénis. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cet enseignement d'aujourd'hui, parce que ça m'a béni. Le pasteur prêchait sur la dépression. La dépression, parce qu'il y a beaucoup de mots de dépressifs. Voilà, donc j'ai compris que ce n'est pas seulement ceux qui manifestent ça. Peut-être en se déshabillant, hein, peut-être en courant dans les rues, peut-être se comportant d'une manière visible, qui sont dépressifs. Et un homme même qui est là, on peut dire qu'il est bien portant, peut être dépressif. Voilà, donc ça m'a béni. Et ça m'a permis de vraiment surveiller ce que je suis et aussi, comme on appelle ça, donner aussi des conseils à mon frère, à ma soeur pour ne pas aggraver la dépression que nous sommes. Voilà, donc merci beaucoup. J'aimerais infiniment être reconnaissante au Seigneur pour le message du pasteur Ménier aujourd'hui. Ce message enseigne que si nous restons, si nous demeurons fidèles, et même quand nous avons péché, si nous décidons de revenir au Seigneur, le Seigneur est juste bon pour nous pardonner. Et à travers les délivrances aujourd'hui, je comprends tout simplement que le Seigneur est décidé à nous délivrer. Seulement que nous devons rester fidèles et attachés à lui. Et le Seigneur va opérer de grands miracles dans nos vies et dans la vie de nos familles. Amen. Et aujourd'hui, le dirigeant nous a exhortés à revenir au Seigneur dans la fidélité. Alléluia. Parce que c'est en s'accrochant au Seigneur qu'on peut faire des exploits. Alléluia. Je pense que c'est brièvement ce que j'ai retenu de l'enseignement. Et il y a eu beaucoup de délivrances. Et le Seigneur travaille encore aujourd'hui comme d'habitude. Et toute la gloire vient à Jésus-Christ. Amen. Ce que je retiens, c'est que le pasteur Ménier nous a fait comprendre que si vraiment nous sommes déterminés à vraiment abandonner le péché, nous pouvons y arriver. Comme il a dit, il y a celui qui pêche de façon volontaire et il y a celui qui pêche de façon involontaire. Ce qui m'a touché, c'est que le pasteur a dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous avons épelé ça. Et franchement, le Seigneur a ouvert mes yeux. Pour que tu abattes, pour que le Seigneur soit pour toi, soit avec toi, il faut que tu sois fidèle. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois fidèle. Et vraiment, ça m'a béni. Et ça a ouvert mes yeux sur mes infidélités.
Je me suis repenti et vraiment que toute la gloire vienne au Seigneur. Amen.